Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Logistique et Transport, votre premier portail web de la logistique et des transports au Gabon. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Gabon Logistique est le premier portail web spécialisé visant à faciliter la recherche d'informations, d'aide à la décision dans la logistique et les transports pour tous les opérateurs économiques. Gabon Logistique est l'excellent vecteur de communication efficace et réactif, spécialisé du secteur qui vous accompagne dans vos campagnes de communication, de recherche, de visibilité et de référence sur le web. Notre mission est de vous fournir des informations fiables d'aide à la décision dans le secteur de la logistique et des transports au Gabon. Notre focus du jour est sur les webinaires de la logistique et des transports qui se tiendront du 30 novembre au 14 décembre 2020. Au cours de ce live, nous aborderons dans un premier temps le contexte, les enjeux, l'objectif général, les objectifs spécifiques de ce webinaire. Et dans un second temps, nous parlerons des différents intervenants. Et surtout, pourquoi soutenir cet événement de renommée nationale et internationale? Comme tous les lives de Gabon Logistique, je ne suis pas seule dans ce live. Avec moi, j'ai Monsieur Julius Agayas, CEO de Gabon Logistique. Et avec lui, j'ai aussi Mitch Rokenjova, qui est le manager auditrice contrôle interne de Gabon Logistique et Transport. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier nos partenaires, ceux qui ont bien voulu nous soutenir pour ce webinaire, le premier ou encore l'un des premiers au Gabon. Et donc, juste une pause, je vous invite à regarder cette vidéo. Merci Nancy, en tout cas d'être là cet après-midi avec nous avant de passer voilà, la présentation de nos partenaires qui nous soutiennent hein, depuis le début. Pour ces webinaires de la logistique et des transports du Gabon. On est bien entendu aussi avec Mitch Rokenjova qui est là, qui vient de nous rejoindre. Déjà, c'est d'abord de savoir comment ça va de votre côté. Est-ce que ça va très bien? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Nous, on va se faire le plaisir en tout cas de préparer ces webinaires de la logistique et des transports du Gabon qui est d'ailleurs une première et qui nous permettra en tout cas d'échanger, de partager un certain nombre de choses avec notamment l'écosystème et avec les professionnels et avec voilà, aussi les étudiants qui sont aussi bien sûr à la recherche d'emploi et de stage. Je pense que c'est aussi l'occasion pour ces étudiants notamment de se positionner, de faire valoir leur profil et de voilà, se vendre sur cette plateforme parce qu'il faut rappeler que ça va permettre de rassembler un certain nombre de professionnels, un certain nombre de décideurs et pas mal aussi d'entrepreneurs. Donc, du coup, je pense que c'est l'occasion pour eux d'échanger, voilà, d'apporter des questions, des contributions à ces webinaires qui vont permettre, en tout cas, à tout le monde de s'enrichir et de gagner, en tout cas, en compétitivité. C'est ce que nous voulons, en tout cas, pour le développement de notre pays. Monsieur Rokenjova, Mitch, merci d'être avec nous. Peut-être une petite présentation de ton côté, avant de passer à la vidéo introductive qui va permettre en tout cas d'annoncer, présenter hein, à ceux qui nous suivent l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent, moi je dis bien depuis le début. Quand je dis le début, c'est depuis la création, n'est-ce pas, de cette page, de ce site web et de tout ce qui va avec. Donc, une petite introduction, Monsieur Rokenjova. Ok, salut à toutes les personnes qui nous regardent, salut à Nancy, salut à Julius. Donc, je me présente Mitch Rokenjova, je suis manager auditrice et contrôle interne de formation. J'ai eu à participer à l'élaboration et à l'implémentation de plusieurs projets de développement dans les secteurs financiers, les secteurs publics, notamment ici au Sénégal avec la présidence du Sénégal, l'ADIE qui est l'agence informatique de l'État, la primature, l'armée du Sénégal, l'armée française et beaucoup encore de secteurs, notamment
s'il faut encore citer, dans le transport routier avec Dakar Demdike, nous avons effectué la liaison entre Dakar à Bamako pour la transmission du spectre pour faciliter la communication entre les transporteurs et les passagers. Aussi, j'ai eu à effectuer plusieurs missions avec BP, British Petroleum. Dans le cadre, nous avons eu l'occasion d'installer tout ce qui est système de sécurité dans leurs locaux et leurs installations au Sénégal. Donc, mon objectif ici, c'est de pouvoir accompagner Gabon Logistique dans le déroulement de ce webinaire qui est pour nous capital. Donc, voici ce que je peux dire en gros pour ma présentation, pour ne pas trop m'élargir. Ben, moi, je vais poser une question à Monsieur Julius Agayas. Pourquoi avoir organisé les webinaires de la logistique et des transports au Gabon? Pourquoi cette organisation? Pourquoi ce webinaire? En tout cas, merci pour la question, Nancy. Merci pour la question. Alors, la question de pourquoi organiser ces webinaires de la logistique et des transports, voilà, du Gabon. Il faut d'abord partir d'un contexte assez simple, n'est-ce pas? Un contexte assez simple et très succinct. C'est de dire qu'aujourd'hui, les États africains, hein, dans leur ensemble, à l'instar par exemple du Maroc ou bien de l'Afrique du Sud, qui font partie des leaders en matière de développement de la logistique en Afrique. Donc, les États africains aujourd'hui ont compris que pour atteindre un certain niveau de compétitivité, n'est-ce pas, dans leur programme de développement économique et social, il était impératif, n'est-ce pas, d'inscrire au centre de ces programmes, ces projets de développement économique, social et environnemental, un élément clé, un levier stratégique, pardon, un levier stratégique, la logistique, la fonction logistique. Alors, quand on regarde au Gabon, l'ambition du Gabon, il faut le rappeler, parce que vous savez, un pays, pour se développer, il y a toujours un document de référence, un document projet de référence, que ce soit au Sénégal où vous avez le plan Sénégal émergent. Le cas du Gabon, il y a un document de référence qui existe, en tout cas depuis pratiquement 2009, qui s'appelle le plan stratégique Gabon émergent, qui est quelque part le document de référence en matière de projet de développement économique, social et environnemental. Donc aujourd'hui, l'ambition de l'État du Gabon, n'est-ce pas, c'est de faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2025. Ça, c'est ce qui est dit dans le document stratégique qui s'appelle le PSGE, donc Plan stratégique Gabon émergent. Donc, dans ce document, l'ambition de l'État du Gabon, n'est-ce pas, c'est de devenir, sinon un centre logistique pour ces pays d'Afrique centrale, n'est-ce pas, un hub même, on peut aller plus loin, un hub logistique pour les pays d'Afrique centrale enclavés. Alors, ceci se matérialise par ce qu'on appelle un schéma directeur national d'infrastructure, qui est un document stratégique qui fixe les grandes orientations de l'État en matière d'infrastructure, principalement dans différents secteurs économiques que sont les énergies, le secteur industriel, les services, le tourisme, les mines, l'agriculture, les transports, la logistique, la santé, l'éducation, et j'en passe. Alors, pour les économies émergentes, ou sinon les économies qui se veulent être émergentes, n'est-ce pas? Le gage donc d'efficacité de ces systèmes qui sont érigés pour ces États, mais aussi pour les entreprises privées ou sinon pour les multinationales, n'est-ce pas? C'est de pouvoir inclure, n'est-ce pas, dans cet élan de développement économique et social, inclure dans la conception de ces projets des éléments clés structurants, notamment les infrastructures de transport et les systèmes logistiques, notamment l'efficacité des procédures de dédouanement, la qualité des infrastructures de commerce ou infrastructures commerciales, n'est-ce pas? Les infrastructures de transport connexes qui vont permettre une certaine facilité dans l'organisation des expéditions à des prix concurrentiels, n'est-ce pas? Mais aussi la qualité des services offerts par ces infrastructures, la capacité de faire des suivis et de traçabilité, pardon, des consignations et la fréquence des livraisons, donc de pouvoir faire un suivi derrière. C'est tout cet ensemble, en tout cas, qui, en substance, et sont des éléments fondamentaux qui sont élaborés par la Banque mondiale
dans un indicateur clé que les investisseurs lisent, que les investisseurs sur lequel les investisseurs se basent, qu'on appelle l'indice de performance logistique. Donc, chaque 2 ans de mémoire, la Banque mondiale fait une étude pour effectivement mesurer, n'est-ce pas, la performance logistique des pays africains. En tout cas, pas seulement des pays africains, mais en tout cas d'un ensemble de pays dans le monde. Donc, au travers des enquêtes sur le terrain, se rapprocher des professionnels de la chaîne logistique pour mesurer, n'est-ce pas, si le pays est performant ou pas. La question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend ces chiffres, ce n'est pas les chiffres de Julius Agayas, ça il faut rappeler. Voilà, donc, quand on prend ces chiffres et quand on regarde un peu la tendance, aujourd'hui, le Gabon, notre pays, notre très cher pays en tout cas, n'est pas très bien positionné en matière de performance logistique, qui est un élément très important, qui est un élément vraiment de différenciation, qui est un élément, un indicateur clé qui permet aux investisseurs de dire, voilà, l'indice de performance logistique de ce pays, il est au beau fixe, nous, on va venir investir dans ce pays. Ben, présentement, quel est l'indice indicateur de la logistique au Gabon? En tout cas, dans la sous-région, nous occupons, dans le dernier rapport de la Banque mondiale, nous occupons la 4e place dans la sous-région. Donc, je parle des pays africains de la CEMAC. Donc, c'est aujourd'hui un challenge, n'est-ce pas? Un challenge pour nous, l'écosystème de la logistique et des transports du Gabon, de contribuer, n'est-ce pas, avec nos modestes moyens, de part et d'autre, d'accompagner, n'est-ce pas, nos autorités publiques et le secteur privé, n'est-ce pas, vers la performance logistique, la performance supply chain, l'amélioration des infrastructures de transport et les modes de transport. Donc, c'est un challenge pour nous, n'est-ce pas, de essayer d'apporter, n'est-ce pas, une nouvelle dynamique dans cet écosystème qui est primordial pour le développement économique de notre très cher pays. Et c'est dans ce contexte, en tout cas, que s'inscrit, n'est-ce pas, l'organisation de ces webinaires de la logistique et des transports qui vont se tenir du 30 novembre au 14 décembre 2020. Donc, c'est tout simplement pour dire, nous invitons l'écosystème, l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique et des transports du Gabon à nous rejoindre pour réfléchir ensemble, pour échanger ensemble, pour débattre ensemble, pour faire des contributions ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble dans cet écosystème qu'on pourra, n'est-ce pas, pas à pas, améliorer, n'est-ce pas, ce secteur d'activité, n'est-ce pas, et à terme, l'indice de performance logistique du Gabon. Donc, c'est dans ce contexte, pour être bref, que s'inscrit ces webinaires. Ben, merci, moi je te remercie. Moi je vais dire alors sur Mitch. Mitch, est-ce possible de renchérir un peu sur ce que Julius Agayas vient de dire, mais surtout sur les objectifs de ce webinaire? Quels sont les objectifs? Qu'attendons-nous à la fin de ce webinaire? Ok, merci Nancy. À la fin de ce webinaire, nous nous attendons à ce que tous les acteurs du secteur de la logistique et des transports puissent notamment, déjà au niveau de Gabon Logistique, nous allons créer un livre blanc dans lequel nous allons proposer des solutions par rapport aux problématiques qui ont été posées. Notons que les problématiques qui sont posées, c'est-à-dire les thèmes qui seront élaborés, qui seront par contre, excusez-moi, les thèmes qui seront abordés durant ces webinaires font référence aux problèmes et aux maux que rencontre le secteur logistique actuellement. Donc, au sortir de ce webinaire, nous allons produire un livre blanc dans lequel nous aurons toutes les problématiques et toutes les solutions qui permettront notamment de prendre des décisions, d'avoir de nouvelles orientations stratégiques pour les entrepreneurs, les entreprises, pour l'État et pour tous les acteurs du secteur logistique. Donc, tous les secteurs déjà dans la logistique sont représentés, aéroportuaire, maritime, ferroviaire et routier. Donc, durant ces 2 semaines, vous aurez des spécialistes nationaux et internationaux qui viendront débattre sur ces problématiques-là. Ils vont vous présenter des thèmes
Et ces thèmes seront accompagnés des différentes solutions, comment sortir de cette crise ou bien comment faire face à cette crise. Donc, voici en gros ce que nous devons attendre de ce webinaire. Donc, ce qu'il faut souligner déjà, c'est que au sortir de ce webinaire, pour me répéter, nous aurons un livre blanc dans lequel nous allons produire toutes ces solutions que nous allons mettre notamment à la À portée disposition, des exactement. acteurs économiques et des décideurs de ces secteurs d'activité. Ben, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, tout d'abord, une fois de plus, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. J'aimerais tout simplement renchérir sur ce que Monsieur Mitch vient de dire. Les objectifs de ce webinaire sont aussi d'accompagner les décideurs publics et privés dans le but de concevoir à l'échelle nationale une politique cohérente de développement de la logistique, des transports et des infrastructures gabonaises. De sensibiliser les décideurs et les acteurs de la chaîne logistique sur la nécessité de l'adéquation formation métier de la logistique, mais aussi d'éveiller l'écosystème de la logistique, de la chaîne logistique au Gabon, de partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques du secteur. Pour ajouter, il est aussi important, d'autres objectifs aussi sont de susciter des débats constructifs grâce aux interventions de haut niveau des acteurs du secteur de la chaîne logistique, des infrastructures et des transports qui seront avec nous durant ce webinaire, mais aussi d'apporter aux entreprises des outils de pilotage de la performance logistique, de transport, supply chain et infrastructure. Et pour finir, de promouvoir les acteurs de transport de la logistique au Gabon. On fera une pause. Je vous invite à sur cette courte vidéo, si notre vidéo est prête, juste pour dire merci à nos partenaires, tous ceux qui ont bien décidé de nous accompagner. Et une fois de plus, juste pour rappeler le focus du jour, aujourd'hui, nous parlerons des webinaires de la logistique et des transports au Gabon qui se tiendront du 30 novembre au 14 décembre 2020. On fait une pause. À tout à l'heure. Donc voilà, on va repartir avec, Nancy qui va nous suivre à nouveau, voilà, qui va reprendre la main sur ce live avec monsieur aussi, en tout cas. Merci pour la vidéo, Nancy, et merci pour ces partenaires-là, en tout cas, qui nous suivent, qui nous ont permis, en tout cas, d'essayer, en tout cas, de faire un événement scientifique qui se veut d'être scientifique et qui se veut d'être une force de proposition, n'est-ce pas, pour à la fois Effectivement, voilà. Ben, écoute, le. ben, je, Vivis, moi je vais revenir sur toi, on va revenir un peu sur la santé du secteur logistique au Gabon. C'est vrai, tu as essayé, dans ton introduction, je t'ai vu, tu as mis quelques points dessus, mais peut-on renchérir un peu sur la santé de la logistique pour que nos auditeurs, ceux qui nous suivent un peu, puissent vraiment comprendre ou bien connaître en fait le sens de ce webinaire?
D'accord. Donc, peut-être pour revenir un peu sur, voilà, la pédagogie, on dit toujours que la répétition, en tout cas, elle est mère de science. C'est Effectivement. toujours un plaisir, en tout cas, de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Si on doit parler aujourd'hui de la santé de la chaîne logistique, hein, de la supply chain logistique, peut-être que ceux qui sont aussi sur le terrain sont mieux placés que moi pour évoquer ces problèmes, mais c'est. Moi, je veux me fonder sur les rapports, n'est-ce pas? Le rapport, principalement le rapport de l'indice de la Banque mondiale, notamment l'indice de performance logistique du Gabon. Mais si on doit parler de la santé, de la logistique au Gabon, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu beaucoup d'avancées. Hein. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'investissements, en tout cas, qui ont été réalisés dans ce secteur d'activité des transports, n'est-ce pas? Que ce soit dans les transports terrestres. Avec par exemple, je vais prendre un exemple concret. On sait tous que dans les transports terrestres, l'une des sociétés phares, c'est par exemple la Sogatra. Aujourd'hui, la Sogatra a traversé une période de crise. Aujourd'hui, il y a un nouveau directeur général de la Sogatra, Monsieur Skit, que je salue d'ailleurs, et qui est en train de faire, en tout cas, un travail de redressement, un travail de redécollage, n'est-ce pas, pour cette société de transport public de personnes. Et il y a par exemple aussi Transacanda qui aujourd'hui offre en tout cas un certain nombre de services. Ce sera à chacun d'apprécier un peu la qualité de service. Je ne pourrais pas me prononcer parce que je n'ai pas les chiffres. Mais par exemple, si on regarde dans ces modes de transport terrestre, au niveau de l'investissement, il y a des choses qui ont été réalisées. Il y a la Sogatra, un nouveau directeur, la Transacanda et bien d'autres modes de transport. On regardera aussi par exemple au niveau des transports maritimes, n'est-ce pas? Il y a eu, par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau port au niveau d'Ovendo, n'est-ce pas? Donc, c'est des investissements qui ont été réalisés aussi pour améliorer, en tout cas, le trafic, n'est-ce pas? Conteneurs pour, en tout cas, capter, n'est-ce pas, un certain nombre de capitaux, capter, n'est-ce pas, un certain nombre de transits des compagnies maritimes pour, n'est-ce pas, desservir le port, servir de port, n'est-ce pas, de transit, n'est-ce pas, dans la sous-région. Il y a aussi eu de nouvelles plateformes logistiques qui ont été créées, n'est-ce pas, à ce niveau, par des entreprises privées dont je ne citerai pas peut-être les noms, mais quand même qu'on peut voir sur le terrain, qu'on peut tous voir sur le terrain. Il y a eu aussi, par exemple, au niveau du transport ferroviaire, bien qu'aujourd'hui, quand même, on déplore tous ces accidents répétés au niveau de la voie ferrée. Pardon, mais quand même, on peut dire qu'il y a aussi eu là-dedans un certain nombre d'investissements qui ont été faits pour améliorer, n'est-ce pas, le réseau ferroviaire, pour permettre en tout cas à ce que dans ce secteur il y ait un trafic, n'est-ce pas, que ce soit des trafics pour le bois, pour le manganèse, pour les personnes aussi, n'est-ce pas. Il y a toujours cette liaison-là, cette interconnexion-là entre Libreville. Pardon, je m'excuse, hein, j'ai un petit chat dans la gorge là. Mais en tout cas, cette interconnexion entre Libreville et sinon la gare d'Ovendo, n'est-ce pas, et le Haut-Togo et notamment Franceville. Dans le secteur aérien qui est aujourd'hui secoué par la pandémie La COVID-19, n'est-ce pas, COVID-19, oui. voilà, il y a aussi eu, je veux dire, ces 5 dernières années, n'est-ce pas, un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés. Il y a par exemple eu le nouvel aéroport de Port-Gentil qui a été créé, Qui a été renouvelé, voilà, qui a l'aéroport été, de Port-Gentil a été renouvelé ou qui enfin, a été rénové, on va dire ça comme ça. Voilà, complètement. on va dire ça comme ça. Rénové, on va dire ça comme ça. Et on a aussi, en tout cas, un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés aussi dans ce mode de transport. C'est vrai qu'aujourd'hui, on déplore tous aussi la perte d'une personnalité centrale, n'est-ce pas, dans ce mode de transport. Je pense à l'ancien directeur, que son âme repose en paix, que Dieu ait son âme, l'ancien directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, n'est-ce pas, qui nous a quittés récemment et qui a été remplacé récemment par une dame d'ailleurs, qui va en tout cas prendre les commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité, le mode de transport aérien, connaît en tout cas des situations difficiles. On a vu la sortie récemment du président de l'association, en tout cas du corps des transports aériens, qui a appelé en tout cas les décideurs à prendre un certain nombre de mesures pour améliorer ce secteur d'activité, qui est quand même un secteur stratégique, n'est-ce pas, pour l'économie du Gabon. Aujourd'hui, on aimerait revoir une compagnie nationale d'envergure à l'image de Air Gabon, n'est-ce pas? Il y a eu des annonces qui ont été faites pour un nouvel aéroport.
il y a eu des annonces qui ont été faites pour, en tout cas, une nouvelle compagnie des transports. Nous espérons, en tout cas, que ces annonces-là vont être réalisées. Et c'est d'ailleurs notre souhait, parce qu'on est dans cette dynamique d'accompagner, n'est-ce pas, de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice, à ce que les secteurs d'activité qui sont dans la chaîne logistique s'améliorent et puissent répondre surtout, n'est-ce pas, aux besoins des acteurs économiques, mais aussi aux besoins des populations. Sur le plan de la logistique, ce qu'on déplore peut-être encore ces dernières années, c'est peut-être un peu les chiffres, hein, c'est les chiffres qui parlent, hein, c'est pas Julius Agaya, c'est peut-être un peu moi ce qui me gêne dans l'indice de performance logistique élaboré par la Banque mondiale, c'est de voir qu'aujourd'hui, je me dis, tiens, le Gabon, on est presque les derniers de la classe, c'est pas normal avec tout ce qu'on a comme compétences, comme ressources humaines sur le plan national, mais sur le plan international, je vous assure que c'est énorme. On a énormément de ressources humaines qualifiées, compétentes en matière de pilotage de la chaîne logistique, en matière de supply chain, en matière de transport, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc, il faut qu'on relève tous ensemble les défis. Donc, moi, je suis un peu gêné de voir que, avec tous ces investissements qui ont été réalisés, avec tous ces efforts qui ont été faits, malheureusement, on n'est pas bien coté, on n'occupe pas une place confortable dans l'indice de performance logistique, n'est-ce pas, élaboré par la Banque mondiale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire en matière de procédure de dédouanement, en matière de qualité, n'est-ce pas, de prestation de services, en matière de tout ce qui est, digitalisation, n'est-ce pas, de ce secteur, d'ailleurs, qui est un thème qui va être développé par Silver Boussamba, que je salue d'ailleurs au passage. Donc, pour moi, il faut dire qu'en résumé, l'état de santé de notre pays, c'est un corps qui a attrapé une fièvre et qui rapidement, il faut faire un diagnostic et il faut rapidement l'apporter les soins qu'il faut pour qu'il retrouve une santé normale. On espère que ce diagnostic sera fait lors des webinaires. Des objectifs. Voilà. Oui. Non, on parle de. Je ne voulais pas dire les objectifs. Je voulais dire le diagnostic. On espère que le diagnostic de la logistique au Gabon sera fait lors de ce webinaire. Mais juste pour Mitch, moi, j'aimerais savoir, par rapport à ce que M. Julius Agayas vient de dire, est-ce que cela veut dire que les thèmes qui seront abordés lors des webinaires ont été choisis en fonction des mots qui minent la logistique et transport au Gabon? Ok, merci Nancy, parce que ta question est très pertinente. Vous savez, le secteur du transport et de la logistique est confronté à de nombreuses variations actuellement et des problématiques comme les autres secteurs. Il y a de nouvelles exigences qui apparaissent, notamment des exigences clientèle et des exigences au niveau du cadre réglementaire. Aussi, il y a l'émergence de nouveaux modèles économiques parce qu'il faut s'adapter à la situation actuelle de crise. Et tout cela, nous voyons une transformation digitale du secteur du transport et de la logistique. Pour ce qui est, par exemple, de nouvelles exigences des clients et le cadre réglementaire, nous avons le thème, qui traitera sur le respect des règles de la concurrence dans les ports maritimes africains, l'exemple de l'UOMOA. Donc, voilà un thème qui pourra regrouper toute cette problématique au niveau de nouvelles exigences réglementaires, des exigences clientèles. Nous avons plusieurs thèmes. Pour ne citer que cela, je vais vous prendre certains exemples. Il y a aussi le thème de la politique publique de la délivrance des certificats d'immatriculation au Gabon en 5 questions, qui est un thème qui sera défendu par M. Jean-Félix Mézu, qui est le directeur national du Centre national d'édition et de délivrance des documents des transports. Donc, tout ça pour vous dire que les thèmes qui ont été retenus sont des thèmes d'actualité. Ça, c'est rien que pour ce qui est du cadre réglementaire, des exigences des clients et tout ce qui est fournisseur. Nous avons aussi, par exemple, la gestion de la relation fournisseur à l'épreuve de la COVID-19 qui sera animée par M. Rock Vemboro, le directeur de Consulting R2M, président du club à Chacabon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous rencontrons des variations dans ces secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, les exigences sont différentes. On ne va plus se comporter comme
en période d'avant-crise, mais en période de crise, parce que aujourd'hui, nous rencontrons des nouveaux systèmes économiques, de nouveaux modèles, de nouvelles exigences, et les entreprises en demandent plus parce qu'il en dépend de la sécurité mondiale et de la sécurité des personnes. Pour poursuivre dans mon propos, je dirais aussi que nos thèmes, bon, les thèmes qui ont été partagés par nos intervenants sont des thèmes pertinents. S'agissant des modèles économiques, les participants verront des thèmes comme par exemple le financement des infrastructures de transport, coût et impact de la transgabonaise sur l'économie du Gabon. Voilà un thème pertinent. Comme les autres thèmes notamment, c'est juste des exemples que je suis en train de citer parce que je ne pourrais pas citer tous les thèmes. Voilà un thème pertinent qui va nous édifier sur le financement de cette infrastructure de transport qui aura un impact financier sur l'économie gabonaise. Et qui parle d'impact financier, parle d'impact social pour peut-être aller plus loin, améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et même Donc nous environnemental. avons, et environnemental aussi. Et nous avons le transport multimodal, des facteurs de développement des échanges commerciaux au cas du Gabon. Ce sera soutenu par Madame Polite White, CEO de Business Air Logistique. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, les échanges commerciaux, elle est des facteurs importants pour le développement économique d'un pays. Parce que si nous n'effectuons pas des échanges avec l'extérieur, nous allons vivre en autarcie. Et qui peut vivre en autarcie? Parce que personne ne se suffit. Donc aujourd'hui, la mondialisation des échanges, elle est des facteurs importants pour le développement économique d'un pays, notamment le transport et la logistique des marchandises. Et pour ce qui est du transport, pour ce qui est de la transformation digitale de ces secteurs, on a les enjeux de la transformation digitale dans le secteur de la logistique et des transports au Gabon par Sylvain Boussamba, comme Julius l'a dit tout à l'heure, qui est le fondateur de l'école 241. Nous avons la logistique et les STIC. Donc, nous avons la logistique et les systèmes d'information de communication. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu tendance à parler des NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pour la logistique. Et avec l'évolution des moyens de communication, des réseaux sociaux, des moyens de paiement, donc nous rencontrons la digitalisation, nous voyons la digitalisation de ce secteur. Donc là maintenant, nous avons parlé de la logistique et les STIC dans ce secteur. Aussi, nous avons la sécurisation des transports par le digital, le cas du Ringus Digital, ce sera un thème qui sera défendu par Madame Madeleine Orlan Renguila, directrice générale et fondatrice du Ringus Digital. Donc vous voyez là, on a des thèmes d'actualité, des thèmes qui traitent des problèmes actuels que rencontre le secteur des transports et de la logistique au Gabon. Ça ne se limite pas seulement au Gabon, mais ça se limite, ça s'étend encore plus dans le monde. Donc aujourd'hui, si nous n'avons pas des systèmes de transport sécurisés, nous allons nous retrouver avec des catastrophes naturelles. Donc, imaginez par exemple, je prends un exemple, des hackers qui prennent le contrôle d'un chemin de fer. Donc, vous voyez, ça peut faire dérailler un train, pardon. Et si le train déraille, c'est des catastrophes. Donc, ici, il s'agit par exemple de la sécurisation des transports par le digital, par beaucoup de moyens qui ont vu le jour. Donc, je pourrais répondre en disant que oui, ce webinaire propose des thèmes pertinents et répond aux problématiques actuelles du secteur du transport et de la logistique au Gabon et dans le monde entier. Monsieur Agayas, j'aimerais bien renchérir un peu dans ce que Monsieur Mitch vient de dire. Oui, mais je pense que Mitch, il a dit l'essentiel, hein, les thèmes. En fait, ce qui s'est passé de façon concrète dans l'organisation, on a fait un appel depuis pratiquement de mémoire 2 mois, 2 mois de mémoire, hein, 2 mois ou peut-être plus, 2 ou 3 mois. Mais en tout cas, on a fait un appel à publication, à intervenants, on a fait des appels, on a ouvert, on a sollicité un certain nombre de professionnels, de chefs d'entreprise, d'autorités aussi. Enfin, ça aussi, il faut le signaler. Il y a des autorités qu'on a sollicitées par des voies légales et aussi des chefs d'entreprise et bien d'autres en disant, écoutez, nous, on souhaite ensemble se retrouver, étant donné qu'actuellement, on est tous confrontés à vivre et subir la pandémie COVID-19, donc ce qui nous emmène à limiter nos déplacements et à travailler de manière plus intelligente.
donc en utilisant, n'est-ce pas, le numérique. Donc, nous, on vous invite à un événement que nous organisons, les webinaires de la logistique et des transports. Donc, vous, en tant qu'autorité étatique, vous, en tant que chef d'entreprise, vous, en tant qu'entrepreneur, vous aussi, en tant qu'étudiant en fin de formation ou en cours de formation ou chercheur ou bien, voilà, et autres, nous vous invitons, en tout cas, à prendre part à ces webinaires. Donc, on a ciblé, premièrement, d'abord, les autorités publiques, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, parce que c'est eux qui sont quelque part un peu au cœur de cette actualité, de ces problématiques, à voilà, apporter des publications par rapport à un thème central. Donc, les transports, le développement de la logistique et des transports au Gabon, quelles solutions ? Donc, à partir de là, chacun d'entre eux, avec le comité d'organisation, a défini un sous-thème qui se rattache au thème principal, que je répète, qui est le développement de la logistique et des transports au Gabon, deux points, quelles solutions ? Donc, chacun d'eux... Qui se rattache, mais qui traitera aussi des mots qui minent la logistique au Gabon. Oui, bien sûr, bien entendu, bien sûr. Mais en parlant d'autorité, est-ce que vous pensez que après, on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus, mais quand même, est-ce que vous pensez que ce webinaire, vu que certaines autorités ont été invitées, pensez-vous que ce webinaire aura un impact sur la prise de décision des autorités? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste et je suis très. Je reste très positif, en tout cas. Et pourquoi d'abord? Pourquoi. Nous avons, par exemple, été reçus récemment. Ça, il faut le signaler. C'est très important, ça, pour dire qu'aujourd'hui, on a un écho favorable de nos autorités qui nous suivent de près ou de loin. Nous avons été reçus récemment, n'est-ce pas, au niveau international, au niveau de l'ambassade du Gabon au Sénégal, dans un premier temps, d'abord, par le conseiller économique et commercial qui nous a reçus, qui a salué cette initiative et qui nous a fait savoir qu'il rendra compte à son excellence l'ambassadeur, qui nous a d'ailleurs rappelé et qui nous a donné un autre rendez-vous dans la semaine à venir pour effectivement en discuter à nouveau sur ce projet et parler des tenants et des aboutissants, etc. Nous avons discuté en tout cas avec un certain nombre, je garde des noms par discrétion, avec un certain nombre de cadres de l'administration des transports. Et d'ailleurs même, il faut le voir dans la maquette, il y a un cadre, un haut cadre, qui est M. Mézui, qui est le directeur national du centre de délivrance de tout ce qui concerne les documents de transport, qui, lorsqu'on l'a sollicité, a tout de suite répondu présent. Donc, a compris tout de suite le sens de ce qu'on veut faire. Donc, déjà par le biais de cette personne, c'est déjà un retour positif. C'est de dire que il y a d'autres aussi qui sont autour, que peut-être on garde par discrétion, mais en tout cas qui sont très favorables à cette initiative, qui nous soutiennent, qui se greffent autour de cette initiative. Et nous le pensons, nous en restons positifs, en tout cas que au sorti de ces webinaires, au sorti de ces réflexions, lorsqu'on fera le livre blanc qui a été tout à l'heure annoncé par Monsieur Rukenjoa, lorsqu'on fera le livre blanc, lorsqu'on le soumettra à ces autorités publiques et ces entreprises privées, en tout cas, elles seront, nous le pensons, assez réceptives pour effectivement prendre en compte, parce que c'est une contribution en fait. Le développement en fait, c'est nous on fait notre part. En tant que groupe Gabon Logistique et Transport, on apporte notre contribution. N'est-ce pas ? Nous n'avons pas la prétention de dire nous savons tout, vous ne savez rien, ce que vous faites. Non, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est. Il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées, un certain nombre de projets, d'investissements, etc. Il y a des compétences au niveau local, il y a des compétences au niveau international. Nous pensons aussi qu'ensemble, avec cette initiative, avec cet événement des webinaires de la logistique et des transports du Gabon, qui est la première édition, et je pense qu'il est une première organisée par Gabon Logistique et Transports. Voilà, ensemble. Donc, vous êtes le CEO aussi, voilà. Il faut bien le préciser, voilà. Et avec une équipe, en tout cas, qui est remarquable, comme toi, Mitch Rukenjoa, et bien d'autres qui sont autour, qui sont au Gabon, qui sont à l'international aussi. Ensemble, on travaille tous. C'est pas Julius Agaya seul, c'est toute une équipe. Bien sûr. Donc, en tout cas, on est positif. Et je pense que d'ailleurs, c'est aussi
C'est aussi ça les attentes d'un pays. Je pense que c'est Kennedy qui disait, ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, il faut vous Mais demander ce que plutôt vous. ce que vous pouvez apporter à votre pays. Exactement. Nous, aujourd'hui, c'est cette question. On est des professionnels de la logistique et des transports. On a peut-être eu à travailler pour un certain nombre d'entreprises au niveau international. Il y en a qui travaillent au niveau national, mais c'est de se dire aujourd'hui, s'interroger. Et là, j'ouvre une parenthèse. Et que je salue d'ailleurs le club achat piloté par M. Roque Emmanuel V, qui travaille depuis très longtemps sur ce type de sujet. Donc, ce n'est qu'une continuité en fait. On ne vient pas réinventer la roue, ce n'est qu'une continuité. Il y a M. Edgar Njumbi qui nous soutient depuis le début, avec qui on a eu à discuter, échanger. Donc, c'est toute une équipe en fait, c'est tout un écosystème qui se retrouve, qui se rassemble cette fois pour ensemble proposer à nos décideurs un certain nombre de contributions et les accompagner à les mettre en pratique, les accompagner à effectivement améliorer un certain nombre de choses. Voilà. Ben, moi, je vais vous remercier. Je vous remercie pour vos différentes interventions. Mais pour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, je vais tout simplement vous demander une chose. N'hésitez surtout pas de partager ce live. Ce webinaire est très important pour la logistique et les transports dans notre pays, dans notre très beau pays, le Gabon. Donc, s'il vous plaît, veuillez partager ce live. Aussi, j'aimerais remercier une fois de plus nos partenaires, mais avant tout, on va remettre leur vidéo en guise de remerciement. Et à la suite de cette vidéo, nous passerons à la deuxième partie de ce live. À tout à l'heure. Merci et bien bon retour sur ce live, sur ce webinaire. Je vais revenir sur Monsieur Julius Agayas. Dans la deuxième partie de ce live, nous parlerons des intervenants à ce webinaire. OK? Donc, une minute. Et surtout, n'hésitez pas de poser vos questions. Si vous avez des questions dans la partie commentaires, posez-nous vos questions. Julius Agayas, Monsieur Mitro Kondova se chargera de répondre à toutes vos interrogations concernant ce live. OK. Pour le premier intervenant, donnez-moi juste une minute. On te donne une minute. En tout cas, c'est toi qui nous conduis. C'est toi le pilote de cette introduction au webinaire de la logistique et des transports. Je peux t'aider, Nancy. Hein, je peux t'aider. Le premier intervenant, c'est Monsieur Siver Boussamba. Ouais, juste une minute, voilà. Juste une petite seconde. En tout Juste une cas, seconde. on aura l'occasion. Je vois beaucoup de questions qui sont en train de passer. Voilà, on aura l'occasion aussi. Hein, on va les Julius, récupérer. si tu as des questions, parce que moi, j'arrive pas à lire les questions, j'arrive pas à me connecter pour pouvoir lire les questions. Donc, surtout, si tu vois une question, n'hésite surtout pas de poser cette question, de lire la D'accord. question. Comme ça, ensemble, on va essayer de répondre à la question. Donc, s'il te plaît, pendant que je cherche le document, si tu peux, s'il te plaît, lire la première question parmi les commentaires.
D'accord, non seulement les questions, mais aussi il y a des contributions aussi. Voilà, il y a par exemple, enfin, il y a Monsieur Henri-Jacques Citol qui, Ah, voilà, je qui. fais un coucou à mon papa. D'accord, qui nous suit en tout cas, papa, voilà, Monsieur Henri-Jacques Citol, qui dit dans l'un de ses commentaires qu'il faut reconnaître que les Gabonais ne sont pas impliqués dans les transports. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas une politique pour encourager les Gabonais et qu'on arrête l'excès de contrôle par la police et la gendarmerie pour les Gabonais. Donc voilà, on prend en compte voilà, ce commentaire, cette contribution en tout cas. Et je veux poursuivre, il y a Monsieur Roque Emmanuel V aussi qui, voilà, qui salue au passage tout le monde. Il y a aussi Madame Pauline White qui, voilà, qui va intervenir sur l'aspect du transport aérien, qui est là avec nous, qui nous salue. Il y a bien d'autres aussi. Il y a aussi, par exemple, Stéphane Léyanfis, voilà, qui pose cette question. Vas-y, vas-y. Voilà. Qui demande si les conclusions de ces webinaires seront accessibles à tout le monde. Donc, est-ce qu'après ce webinaire, il y aura un En tout cas, il y document? aura un lien. Voilà. En tout cas, il y aura c'est justement d'abord la première chose à faire dans un premier temps, c'est d'être très attentif à partir du 30 novembre jusqu'au 14 décembre, n'est-ce pas? De prendre part, en tout cas, peut-être pas à tout, mais en tout cas, de prendre part, si c'est possible, à tout, toutes les interventions, prenez part à toutes les interventions. Moi, ce que je dis, c'est ce que je dis, par exemple, aux étudiants de master, de licence, de première année, même de, je sais pas, de thèse, ce que je dis, ou sinon aux chercheurs, ce que je dis, c'est faites le maximum de prendre part à l'ensemble de ces webinaires parce que c'est un événement inédit et c'est là où vous allez avoir un certain nombre d'informations, n'est-ce pas? Donnez-vous les moyens de pouvoir aussi mettre votre esprit à profit pour ce genre d'activité scientifique et mettez peut-être un peu de côté un certain nombre d'activités qui peut-être n'ont pas un impact direct sur votre plan de carrière, sur votre projet académique ou votre projet professionnel. Donc, c'est l'occasion que vous soyez spécialisé dans la supply chain, la logistique, la finance, la qualité, parce que la logistique, c'est une fonction transversale. Voilà. Donc, les conclusions, pour Si je revenir peux à la question. pour apporter une contribution dans la question qui a été posée, il faut savoir que le webinaire, en fait, c'est un séminaire. Mais la différence, c'est que le webinaire, c'est un séminaire en ligne. Donc, l'avantage Effectivement. d'assister à un webinaire, c'est que vous pouvez le suivre en direct et vous pouvez le suivre en différé. Pour les personnes, par exemple, qui n'auront pas l'occasion de le suivre en direct, ils pourront le regarder en différé sur notre chaîne Gabon Logistique et Transport. Donc, ce sera le moyen pour vous, par exemple, pour ceux qui cherchent des solutions, parce qu'il y aura des diapos, il y aura des partages des solutions qui seront faites par des intervenants. Donc, ce sera pour vous le moyen de prendre des notes par rapport aux Et des documents problématiques. aussi qui seront partagés par les différents intervenants, il faut bien le préciser. Voilà. Bon, Sur ça, après on maintenant, verra bien. Sur ça, c'est du sur ça, on verra bien. Vas-y, Mitch. pour le partage des documents des différents intervenants, on ne préfère pas trop se prononcer là-dessus parce que vous savez, OK. c'est un travail C'est de des recherche recherches. qui est assez confidentiel. Il y a des informations qui ne sont pas toujours ou bien qui ne doivent pas toujours être partagées à tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insistais sur le fait que les webinaires seront normalement diffusés aussi en différé. Donc, les personnes qui cherchent des réponses à leurs questions pourront les re-suivre, les regarder, prendre des notes et enrichir leurs recherches. Mais ils pourront aussi surtout rester connectés sur la page Gabon Logistique et Transport. Ce qu'on fera, on mettra tous les thèmes. Tous les thèmes seront affichés sur la page Gabon Logistique et Transport. Comme cela, Profite de moi. vous pourrez aussi sélectionner les thèmes qui vous sied et vous préparer en conséquence, préparer votre agenda, voilà, par rapport à ces différents thèmes. Mais là, on va revenir en fait pour la deuxième partie de ce live. On va parler des intervenants. Pour les premiers intervenants seront Silver Boussamba. Il est le fondateur de l'école 241 Business et Chanel Kassa. Donc, moi, pour Monsieur Julie Sagas, le thème de Silver Boussamba est sur les enjeux de la transformation digitale dans le secteur de la logistique et des transports au Gabon. Donc, Exact. et
Et celui de Chanel Tassa est sur l'importance de la communication dans la, dans la chaîne logistique. Comment coupler les compétences techniques et relationnelles dans la supply chain? Parlons de communication. En quoi la communication est-elle importante? Parce qu'on le dit tous les jours, la communication est importante, est très importante. Mais quand il s'agit de la logistique, en quoi la communication est-elle très importante? Je ne pourrais peut-être pas rentrer dans le détail parce que je laisse le plaisir, l'honneur, en tout cas, à l'intervenant qui dira mieux que moi, en tout cas, le choix de son thème. Mais aujourd'hui, comment moi je le comprends en fait? Mais juste un petit mot, hein, parce que bien sûr, chaque intervenant C'est ce que je souhaite ajouter sans pouvoir spoiler ce qui va arriver en termes de solutions et réponses. Moi, je dirais que la communication, elle est vraiment primordiale dans la logistique et le transport. Je vais prendre un petit exemple. Si aujourd'hui, dans un système d'information, vous transmettez des informations qui sont, par exemple, incorrectes ou bien erronées à l'expéditeur ou au transporteur, on va se rendre compte que un citoyen lambda qui a commandé, par exemple, un téléviseur pourra recevoir un ordinateur à la place parce qu'il y a peut-être eu un problème de communication entre les différents opérationnels. Rien que pour prendre ce petit exemple. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons assister au webinaire, nous aurons encore des solutions plus approfondies à ce niveau pour la communication. Joue-t-elle un rôle primordial en logistique? Je pense que M. Rokandjo a tout dit. Je vais même essayer de faire ça un peu simple pour ne pas rentrer dans les détails, en fait. Nous sommes à toi, Nancy. Ok, ben, Julius, moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai bien lu quelque part que plusieurs dirigeants d'entreprise sont en train d'amorcer la transformation digitale de la supply chain. Maintenant, selon vous, en quoi le digital peut-il transformer le système logistique de notre pays? Juste un petit point, parce qu'on sait très bien que M. Silver va débattre sur son point, il va développer son point. Donc, qu'avez-vous à dire au moins juste une petite phrase sur, par rapport à ce thème? Je prendrai l'exemple, autant pour moi, de Ringus Digital, qui est aujourd'hui une entreprise qui propose, n'est-ce pas, la digitalisation des documents de transport pour éviter la fraude, la tricherie, pour permettre à ce que, lorsque vous êtes contrôlé, vous êtes informé, j'ouvre une parenthèse, vous savez que récemment, il y a le ministère de l'Intérieur du Gabon qui a reporté une opération de contrôle des documents de transport, de cartes grises, de permis de conduire, etc., etc. Vous êtes au courant. Donc, c'est déjà dans l'actualité. Mais déjà, on félicite Madame Madeleine Orlan Renguila et on la salue au passage. Voilà. Pour revenir sur ça, pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres concrets. Je n'ai pas un rapport par devers moi. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliards qui s'envolent, n'est-ce pas, dans les contrôles routiers, dans les amendes, qui, plutôt que de passer par les caisses du trésor, passent dans d'autres poches. Je ne sais pas dans quelle poche. Mais aujourd'hui, elle propose une solution digitalisée pour ce secteur des transports terrestres et bien d'autres, qui va permettre, en tout cas, à l'État, qui est souvent à la recherche des financements pour financer ces projets d'infrastructures structurants, pour investir dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et bien d'autres, d'avoir dans ses caisses de la trésorerie, donc à travers cette solution. Voilà tout simplement ce que je peux donner comme exemple. Ok. Le 1er décembre 2020, nous avons deux intervenants, Monsieur Clément Seka Abba et Monsieur Durand Abiaga. Donc, le thème de Monsieur Clément Sekava est le respect des règles de commerce dans les ports maritimes africains. L'exemple de l'UEMOA. Et Monsieur Durand parlera des financements. Monsieur Durand Abiaga parlera des financements des infrastructures de transport.
coût et impact de la transgabonaise sur l'économie du Gabon. Par rapport au thème de M. Durand Abaga, ma question est de savoir à qui incombe le financement des infrastructures de transport au Gabon? À qui incombe le... Voilà, n'importe, l'un d'entre vous peut répondre. Hein. À qui incombe le financement? En fait, aujourd'hui, pour le cas du Gabon, le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, les décideurs publics, en tout cas, que je sache, hein, par rapport à l'actualité aussi, au rapport qu'on a, à tout ce qu'on a, penche aujourd'hui pour ce qu'on appelle un financement PPP, partenaire public-privé. C'est le cas, par exemple, de la Transgabonaise, qui est un financement PPP, partenaire public-privé, avec un certain nombre d'entreprises dont je me préfère de garder les noms. Mais le financement, la recherche de financement, il faut dire peut-être la recherche de financement pour ces projets d'infrastructure, ça incombe à l'autorité publique parce que c'est des projets quand même de souveraineté nationale. Maintenant, pour aller chercher le financement, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État, c'est justement pourquoi on parlait même de Ringus Digital tout à l'heure, parce que ça aussi, ça peut permettre d'avoir de la trésorerie et de financer un certain nombre de projets d'infrastructure. Mais si en amont, on n'a pas les moyens financiers pour financer ce type de projet qui coûte relativement, qui sont très coûteux en tout cas, l'autorité publique, n'est-ce pas, selon les textes réglementaires, etc., etc. Ça, ce sont les juristes, en fait, aussi qu'on appelle, hein, qu'on invite, hein, les juristes en matière de droit des affaires, en droit des transports. En tout cas, tout ce qui sont dans le domaine du droit aussi sont appelés, j'ouvre une parenthèse, à prendre part à ces webinaires. Parce que c'est important. Parce que tout part de là aussi. Donc, dans la recherche du compte, l'État n'a pas en amont les fonds. Fait appel à des investisseurs, fait appel à... n'est-ce pas, à des partenaires internationaux pour financer, n'est-ce pas, un certain nombre de projets tels que la Transgabonaise qui est un PPP. Voilà, donc... pour continuer dans ce que je lui ai dit, aujourd'hui, le financement des infrastructures de transport peut se faire par plusieurs voies. Ça peut aussi se faire par appel public pour une levée de fonds. Ça peut se faire par un projet d'investissement ou bien un fonds d'investissement qui va faire une levée de fonds pour que l'État puisse notamment collecter une certaine somme d'argent ou bien une certaine somme pour pouvoir financer ces infrastructures. Donc, on pourra faire appel, par exemple, à Madame Azizé ou bien à Monsieur Julius Agayas, leur dire que, par exemple, il y a le fonds Koya qui met à disposition un emprunt obligataire pour pouvoir financer... ce projet. Donc, vous pourrez avoir des bénéfices ou des intérêts au bout de 10 ans ou 5 ans par rapport à votre apport. Donc, aujourd'hui, le financement, il y a beaucoup de voies de financement que nous pouvons rencontrer pour ce genre d'infrastructures de transport, notamment à caractère de développement pour la nation. OK. On va passer aux intervenants du 2 décembre 2020. Là, nous aurons Pauline White, CEO de Business Air Logistics, elle débattra sur le thème « Le transport multimodal, facteur de développement des échanges commerciaux », exemple du Gabon. Et M. Abdelatif Benadelafid, si la prononciation est correcte, professeur des universités émérites. Il débattra sur la logistique et les STIC. Avez-vous un mot à dire sur l'un de ces deux sujets, Topic? Vas-y, Julius, je te prends, je suis dessus après. Oui. Tu passes la main. En tout cas, les deux sujets sont d'actualité. Moi, j'ai pas de gros commentaires à faire là-dessus. Les deux sujets sont d'actualité. Autant pour Madame Pauline White, transport multimodal, pour le cas du Gabon, il faut rappeler que Madame Pauline White, c'est une professionnelle du secteur des transports aériens. Aérien qui est en tout cas dans ce secteur d'activité, si je ne m'en abuse, là-dedans depuis une vingtaine, voire plus d'années. Donc, il y a une grosse expertise, n'est-ce pas, dans ce secteur et qui aujourd'hui est aussi consultante indépendante. Et son thème a tout son sens dans le contexte dans lequel nous sommes, la COVID-19 que nous traversons tous. Autant pour aussi le professeur
Abdel Latif, qui va nous, voilà, qui va développer sur les STIC, voilà, donc montrer en fait l'importance de tous ces des systèmes logistiques, de le comment ces systèmes logistiques permettent, par exemple, à une entreprise d'être performante, ou bien à un pays, lorsqu'il conçoit son système logistique national pour ses ports, n'est-ce pas, pour ses infrastructures ferroviaires, pour ses infrastructures terrestres, aériennes, tous ces systèmes-là. Parce que tout part aussi de là, hein, avant je ne veux pas en dire plus parce que il est mieux placé que moi, mais en tout cas, Voilà. pour bien comprendre le sujet, voilà un peu, de façon résumée, la pertinence de ces sujets qui sont d'actualité, qui répondent en tout cas au contexte dans lequel nous sommes. Voilà, donc Voilà, pour donc mieux comprendre. pour appuyer dans ce que Julie disait tout à l'heure, la logistique et les STIC, par Monsieur Abdelatif, professeur des universités émérites. Vous savez, aujourd'hui, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication rencontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de défis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes exposés aux données à caractère personnel. Donc, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup Internet, nous utilisons beaucoup ces moyens de communication pour pouvoir échanger, pour pouvoir envoyer nos données aux clients, aux fournisseurs. Donc, voilà ici un sujet qui est très, très édifiant parce que là, je pense que Monsieur Abdelatif va nous accompagner pour les solutions, notamment dans la sécurité de tous ces systèmes de communication et aussi pour l'optimisation de ces systèmes au niveau des entreprises logistiques et des autres secteurs d'activité aussi, pourquoi pas. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ces webinaires. Donc, à tous ceux qui nous suivent, moi, je vous invite tout simplement à boucler votre calendrier, votre agenda, et surtout, ne manquez pas les thèmes qui seront abordés. Comme je vous l'ai dit, les différents thèmes seront détaillés sur notre plateforme Gabon Logistique. Prenez votre temps, parcourez la page et vous pouvez tout simplement marquer sur votre calendrier le thème qui vous sied. Et surtout, ne manquez pas le rendez-vous. On va passer à monsieur, au 3 décembre, les thèmes qui seront abordés dans la journée du 3 décembre 2020. Donc, nous aurons Patrick Joran. Il est le responsable sécurité ferroviaire Sagesse Rail. Le thème qu'il va aborder sera sur l'approche pour l'évaluation de la sécurité des systèmes ferroviaires. Et Curtis Eyege, responsable transport groupe Auchan, il va aborder la question sur la logistique, source de valeur ajoutée. Moi, n'importe qui peut répondre. En quoi la logistique peut être une source de valeur ajoutée pour l'économie d'un pays? Je sais que c'est une question assez banale, mais Non. pour ceux qui ne sont pas vraiment du système, qui ne sont pas vraiment des logisticiens, peut-être vous pouvez juste un peu renchérir là-dessus. OK, moi je dirais dans un premier temps qu'aujourd'hui, la logistique est incontournable parce que pour tous les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les décideurs, aujourd'hui sans la logistique, on ne peut pas être opérationnel, on ne peut pas développer nos activités. Donc aujourd'hui, parler de cette approche, c'est revenir à dire que la logistique nous permet notamment d'optimiser nos moyens de production. Et qui dit optimiser ces moyens de production parle de gains financiers derrière. Donc, qui parle de gains financiers derrière parle de développement d'infrastructures, développement économique, développement social, développement culturel, développement dans les secteurs clés de l'économie. Donc, voici ce que je peux dire pour ce thème. OK, passons au 4 décembre 2020, nous aurons Brice Akwe-Ovono. Il est ingénieur géotechnicien, chef de projet à Fugro Géofor Gabon. Le thème qu'il abordera est le construire les infrastructures de transport durable et de qualité. Et nous aurons aussi ce même jour Tatiana Priska Menge-Tuntun. Elle parlera de la formation emploi. Quels débouchés aux sorties des formations au métier de la logistique et des transports au Gabon? Moi, je vais m'accentuer sur le thème de Monsieur Brice Akwe Ovono.
construire dans les infrastructures et transports durables et de qualité. Aujourd'hui, on a par exemple la nationale. Voilà, je suis pas au Gabon, je ne sais pas vraiment si la route est complètement terminée. Mais pourquoi est-ce que certains travaux publics, comme la grande route nationale ou encore d'autres petites routes, ne sont pas souvent attribués aux locaux? Est-ce que c'est dû à un problème de compétence, raison pour laquelle on se fie toujours à l'international? Non, je pense pas que c'est un problème de compétences. Je pense qu'il y a des compétences aussi au niveau local. Le cas avec Brice que tu viens de citer tout à l'heure, qui pilote une entreprise qui est expertisée, qui a des expertises dans ce domaine de traitement routier, de tout ce qui est études avant projet routier, etc. La question, c'est de savoir, il faut savoir, faut pas le perdre de vue aussi, hein, parce que faut quand même aussi savoir que le Gabon est situé en Afrique centrale et qu'il y a Afrique centrale, on a quand même une météo quand même assez particulière, saison des pluies, etc., qu'on rencontre au cours de l'année et que peut-être d'autres pays que nous visitons, que nous voyons, n'ont pas. Le cas du Sénégal, par exemple, c'est pas les mêmes pluies qu'on a au Sénégal. Je pense qu'il pleut peut-être deux fois ou une fois dans l'année, ce qui fait que peut-être les infrastructures routières on ne rencontre pas assez de nids de poules, contrairement. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que il y a des ressources locales, n'est-ce pas? Ce que l'intervention de Brice, c'est tout simplement pour, en tout cas, essayer de contribuer à apporter aussi son expertise dans l'avant-projet routier, les études, qu'est-ce qu'il faut faire, les contrôles en matière de travaux publics et bien d'autres. Donc, je pense qu'il y a de la ressource. Et voilà un exemple concret. À qui on va passer au 5 décembre, là nous aurons Mais Armand. avant, je pense, sans te couper, si tu me permets, excuse-moi, mais Pas de problème. y a le thème aussi de Tatiana qui est très important. Si tu peux le relire, s'il te plaît, si tu peux revenir sur ce thème, parce que ce thème s'adresse aussi aux étudiants en fin de formation, qui d'ailleurs, parfois, on reçoit énormément de CV. Est-ce que tu peux revenir sur ce thème, s'il te plaît? Ben, le thème de J'espère bien de dire un Tatiana mot. Pouka Tuntum, elle parlera de la formation emploi. Quel débouché aux sorties des formations au métier de la logistique et des transports au Gabon? Voilà. Donc, le thème, il est pertinent. Il a tout son Franchement, sens. Parce que. C'est un thème qui est très pertinent. Une Et minute. là, Une j'espère minute. qu'il y a des étudiants, il y a des étudiants qui nous suivent et Effectivement. qui ont noté la date dans leur agenda pour ne pas manquer cela, parce que là, maintenant. Je pense que Madame Tassina Pouska-Mengue, 5 décembre 2020. voilà, le 5 décembre 2020, Madame Tassina Pouska-Mengue va accompagner déjà ses jeunes frères et les jeunes chercheurs d'emploi. Comment déjà, je pense, se positionner, comment vendre leurs compétences sur le marché de la logistique. Parce C'est que là, il faut très aussi étonnant. préciser que la logistique est vaste. Okay? Et on ne fait pas les métiers de logistique juste pour les faire. Il faut faire les métiers de la logistique. Bon, ça, c'est mon point de vue après. Hein? Il faut faire les métiers de la logistique en fonction des En réalités du fonction du pays. marché de l'emploi. Voilà, en fonction du marché de l'emploi du pays. Parce que on n'a pas le. Nous ne sommes pas. Par exemple, Pas quelqu'un que. qui est au Tchad ne peut pas Pas que, faire. hein. Pardon? Je dirais pas que, parce que on fait aussi une formation sans vous couper. C'est d'une part sans doute pour se faire absorber par le marché de l'emploi, mais pas que. C'est aussi pour créer aussi. Et là, ça va faire la connexion avec le thème de Edgar Njumbi. C'est aussi pour créer son entreprise de logistique et de transport. Non, non, là, moi, je voulais parler par rapport aux réalités après, hein, parce que là, je prends un exemple comme un pays enclavé comme le Tchad, je pense qu'il n'a pas de port, et un pays comme le Gabon, qui a un Exact. port. Donc, un Tchadien ne fera pas les mêmes métiers, ne va pas suivre une même formation logistique qu'un Je suis Gabonais, d'accord. Je parce suis que d'accord. les pays ne vivent pas la même réalité. Donc, c'était un peu juste ça. Donc, Dans ce sens, OK. voilà, c'était un peu dans ce sens. On va passer au 5 décembre. Là, nous aurons Monsieur Armand Wunto. Il est le conseiller infrastructure et politique de transport maritime et aérien au ministère des Transports à Montréal. Son thème sera sur comment faire du port d'Ovindo
Voilà, écoutez bien. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Ovindo. Comment faire du port de Ovindo la pièce maîtresse d'un écosystème logistique au Gabon? Et Madame Madeleine Orlan Renguila est la directrice générale fondatrice de Rengus Digital. Elle nous parlera de la sécurisation des transports par le digital, le cas de Rengus Digital. On va faire, je vais plutôt m'accentuer sur Armand Wunto. Comment faire du port de Ovindo la pièce maîtresse d'un écosystème logistique au Gabon? Notons bien que le port de Ovindo, il a quand même, il est plus âgé que nous tous ici. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce sujet, à ce thème autant pour moi? Une intervention à ne manquer sous aucun prétexte. Parce que déjà, d'abord, dans un premier temps, c'est qui parle, qui va développer ce sujet. Vous parlez bien ici d'un conseiller. Conseiller infrastructure et politique de transport maritime et aérien au ministère des Transports à Montréal. D'accord. Donc, déjà, le calibre, la qualité de l'intervenant, on dit beaucoup. C'est un expert, il a une grosse expertise dans la question. Moi, le mot que je peux juste dire, c'est ne manquez pas cette intervention. Absolument pas. Là, je m'adresse aussi à s'il y a des autorités publiques qui nous suivent ou des entreprises privées qui nous suivent. C'est un sujet pertinent. Nous avons discuté en off. Je ne dirai pas ce que nous avons eu à dire, mais c'est un sujet pertinent qui va, je pense, vous apporter un certain nombre de contributions et qui, par la suite, en tout cas, vous permettra de gagner en compétitivité. N'en disons pas plus. Avançons. Soyez là. Voilà, le 6 décembre. Pour aller dans le sens de ce que Julie disait, c'est voilà un autre sujet pertinent. Comment faire du port de Ovindo la pièce maîtresse d'un écosystème de la logistique au Gabon? Comme nous savons que le port, c'est comme le poumon de l'économie. C'est par là que tout sort. Voilà. Et aujourd'hui, le port de Ovindo existe depuis peut-être même avant notre naissance. On se rend compte que nous n'avons pas connu un développement à la hauteur de nos ressources naturelles et de nos ressources financières. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un sujet, un thème qui va nous aider à sortir la tête de l'eau. En tout cas, c'est une grosse espérance. On espère et on espère surtout que nos autorités au moins seront câblées sur ce sujet. Ouais. On va passer aussi décembre 2020. Là, nous aurons M. Henri Moussavou. Il est le coordinateur des programmes de formation métiers professionnels, BioForce. Il débattra sur les enjeux logistiques dans la réponse aux crises et catastrophes humaines. Et ensuite, nous aurons aussi M. Louis Languenou, expert achat et formateur consulting. Il débattra sur l'impact du choix des fournisseurs sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Avez-vous un mot à dire sur l'un de ces deux thèmes? En bref. Bon, moi, je vais aller sur l'impact du choix des fournisseurs sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on décide de s'approvisionner, le choix du fournisseur est primordial là-dessus. Donc, sans vouloir encore spoiler, j'apporte juste mon même contribution. Ici, déjà, je pense que il faut vraiment qu'on tende l'oreille sur la sélection des fournisseurs. Comment les fournisseurs sont sélectionnés? Quels sont les critères de sélection du fournisseur? Comment reconnaître un bon fournisseur? Je pense que monsieur Louis Languenou va nous entretenir là-dessus et va encore enrichir ce que nous savons déjà. Voici ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Donc là, le 7 décembre, nous aurons monsieur Bernard Moïse Canet. Il est le directeur associé d'Afrex. Il débattra sur comment promouvoir les entreprises gabonaises championnes en supply chain. Et ensuite, nous aurons M. Cédric Joran Misanda. Il est le fondateur CEO de Waste Recycling. Il débattra sur la collecte et le transport des déchets dangereux sur le territoire gabonais. Waste Management. Donc,
On va passer rapidement au 8 décembre. Notre intervenant du 8 décembre est M. Lori Okumba. Il est docteur en Supply Chain Management, enseignant-chercheur à l'Université technologique de Val. Il débattra sur Supply Chain Management Best Practices, réflexion sur les facteurs qui contribuent à son optimisation. Et nous aurons aussi au cours de cette journée M. Jean-Félix Mézuy. Il est le directeur national au Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport. En parlant de délivrance de documents de transport, M. Julie Sagaya, tu as mentionné qu'en ce moment, au pays, on avait quelques problèmes par rapport aux documents qui sont délivrés en ce moment. En tout cas, le gouvernement a repoussé, je pense la date c'est au 21 janvier de mémoire, mais en tout cas, il y a un contrôle, il y a une opération de contrôle, je ne sais pas si exactement c'est quoi le nom, mais il y a une opération de contrôle des particuliers et même des corps habillés, n'est-ce pas, de tous les véhicules, de tous les véhicules au niveau du Gabon, qui pour savoir s'ils sont à jour ou pas, c'est une nécessité, n'est-ce pas? Et voilà, il y a tout son sens en tout cas dans ce qui nous semble aussi important. Mais il débattra sur la politique publique de délivrance des certificats d'immatriculation au Gabon en 5 questions. Okay. Sans plus tarder, on va passer aux prochains intervenants. Là, nous avons M. Epiphane Mouvondo, docteur en géographie économique, spécialité transport et logistique, Université Omar Bongo. Il débattra sur la production de pétrole brut et accès universel aux produits pétroliers dans les pays de la CEMAC. Quelle articulation territoriale? Le sujet est quand même chaud. Hein? Ouais. Et là, et après nous... Très pertinent. Et là, nous aurons M. Steve Limpala Mupumbu, ingénieur logisticien, administrateur à la Gabonaise de logistique et services garantis. Il débattra sur les SCM comme outil efficace de gouvernance pour la profitabilité d'une organisation. Je vais juste lire les thèmes, donc surtout n'hésitez pas de m'arrêter si vous souhaitez... rebondir sur un certain thème et aussi veuillez suivre les commentaires sur Facebook si vous avez une question, surtout n'hésitez pas de m'interpeller par rapport à ça aussi. Pas de souci. Voilà. Et après, là, nous aurons M. Igor Pambo. Il est expert supply chain, achat et approvisionnement à pétrole et énergie à Houston, Texas. Voilà. On salue en passant les Gabonais de Texas. Il débattra sur les enjeux stratégiques de la supply chain. Au cours de la journée, nous aurons aussi M. Donald Don Ongounou, président directeur général de e-Trajet, qui débattra sur le paiement digital dans le secteur du transport. Exactement. Et là, nous aurons, le 12 décembre 2020, nous aurons M. Roche-Emmanuel Vemboro, qui est le directeur du cabinet RE2M, et il a aussi le président Club Achat Gabon. Il débattra sur la gestion de la relation fournisseur à l'épreuve de la COVID-19. Comme on le sait très bien, la COVID-19 a fait pas mal de fatalités. Donc, espérons que son thème apportera quand même... Ça apporte toujours un plus, voilà. En tout cas, ces interventions. Et c'est un sujet que je vous demande aussi de ne pas manquer. De même que celui de Igor Pambo aussi, c'est un sujet très intéressant que je vous invite aussi à ne pas manquer. Ok. Là, et ensuite, toujours le 12 décembre, nous aurons M. Andy Swen, Puna et Yege. Un jeune client. Voilà. Il est Industrial Project Pricing and Business Development Manager. Il travaille à DHL Global Forwarding. Il débattra sur le pricing dans la logistique et transport. Et pour finir, nous finirons avec nos deux derniers intervenants seront M. Glenn Gérard Ongwanda, Opération Manager Distribution et 3PL Strategy. Il travaille à Vitesse Transport Corporation. Il débattra sur la logistique intégrée, externalisation de la chaîne d'approvisionnement, logistique tierce partie, ou 3PL pour Third Party Logistics. Ce sujet, je ne l'ai vraiment pas compris. Hein? J'espère que l'un de vous, avant qu'on le filme, j'espère que l'un de vous va un peu rebondir sur ce sujet-là.
je vais terminer d'abord avec le dernier intervenant et après, je vais vous donner l'opportunité de rebondir sur, si vous le souhaitez, sur l'un des thèmes qui ont été, qui seront abordés. Donc, le dernier intervenant est M. Achille Ndougou. Il est le directeur général et qualité à Le Maire Service. Il débattra sur le transport des marchandises dangereuses. Là. Donc, là, nous avons tous nos intervenants du 30 novembre au 14 décembre 2020. Si vous souhaitez, avant qu'on ne finisse cela, si vous souhaitez rebondir sur l'un des thèmes qui sera abordé. Revenir. La question est pour eux. Voilà. Voilà. Avant de rebondir sur les différents thèmes qui ont été abordés, je pense qu'il y a peut-être une intervenante, peut-être qui t'a échappé un peu, mais ce n'est pas bien grave. Elle s'appelle Sharon Tsaou. N'est-ce pas? Elle est responsable Supply Chain Management à Gabon Oual Logistique et Services. Elle va intervenir sur le thème achat, approvisionnement, levier économique créateur de marge. Ce sera le 9 décembre 2020. De toute façon, tout sera disponible sur la page et sur le site web. Toutes ces informations seront disponibles. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Le transport des marchandises dangereuses aujourd'hui, transporter des hydrocarbures par route. Au Gabon, par exemple, ça nécessite le respect d'un certain nombre de règles. Transporter du gaz butane par route au Gabon, ça nécessite un certain nombre de règles. Et je pense que, et autres, marchandises dangereuses, que ce soit par route ou par voie maritime, fluviale ou aérienne. Et c'est là, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, la pertinence de M. Achille Ndougou qui va intervenir sur le transport des marchandises dangereuses. Le mot que j'allais dire... pour ne pas être long, sur le sujet de M. Glenn Gérald Angwanda. C'est un sujet très pertinent parce que, comment il faut le comprendre? Il faut le comprendre comment? Il faut se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Il y a par exemple des entreprises comme, je donne un exemple assez simple, le tel Radisson Blue par exemple. Mais quel est le cœur de métier de Radisson Blue? C'est de permettre à ce que les gens viennent dormir tranquillement, confortablement et vaquer à leurs occupations. Le cœur de métier d'une structure comme le Radisson Blue, ce n'est pas de faire du transport, ce n'est pas de faire des achats, ce n'est pas de faire en tout cas un certain nombre d'activités qui ne rentrent pas dans son cœur de métier. C'est de pouvoir en tout cas permettre aux gens de se loger dans des conditions confortables, mais de pouvoir confier, n'est-ce pas, donc externaliser, n'est-ce pas, un certain nombre d'activités, parce que pour que le tel Radisson Blue fonctionne, travaille, il faut bien qu'il y ait des opérations logistiques d'achat, de transport, du personnel par exemple, transporter le personnel d'un point A à un point B, et à un certain nombre de fréquences, des rotations. Donc, le sens un peu de ce thème, il viendra dire mieux que moi encore sur ce thème, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des activités qui ne sont pas votre cœur de métier, il faut les externaliser, il faut les confier à des professionnels. Il y a des activités de transport. Dans ce que tu dis, Julie, c'est là où certaines entreprises font appel à des cabinets de consulting comme R2M Consulting pour les achats. Ok. Ben moi, je veux un peu revenir, Mitch. C'est vrai qu'on l'a un peu, on l'a un peu dit tout au long de ce live. Mais si tu peux encore revenir là-dessus, pourquoi est-il important de soutenir de telles initiatives comme ce webinaire que nous aurons du 30 novembre au 12 décembre? Juste, ce sera notre dernière question en fait pour ce live. Voilà, du 30 novembre au 14 décembre. Pourquoi penses-tu que il est important de soutenir de telles initiative. Ok. Il est important pour nous de soutenir de telles initiatives parce qu'il en dépend et il est question du développement économique de notre pays. Donc, nous sommes tous des personnes pensantes, pouvons apporter notre contribution par rapport à nos expériences variées et dire qu'il faut se réunir autour d'un thème qui est le transport et la logistique. Comme on l'a dit tantôt tout à l'heure, vous savez, le développement portuaire d'un pays, c'est son poumon, en fait. Si aujourd'hui, nous, au niveau de nos ports, nous n'avons pas ou bien nous ne connaissons pas le développement actuel que les autres connaissent,
nous serons toujours en arrière en termes de développement de notre pays. Donc, organiser ce webinaire, c'est l'occasion pour nous de présenter des solutions, d'attirer toutes les personnes, tout ce qui intervient dans ce secteur d'activité, d'alerter nos autorités nationales et internationales aussi, pour leur dire que aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs problématiques. Voici ces problématiques. Voici ce que nous rencontrons. Voici ce que les acteurs économiques rencontrent. Voici aussi ce que les populations rencontrent. Et voilà l'impact. Et ensuite, dans un second temps, proposer des solutions qui pourront nous emmener à pouvoir faire des recommandations plus tard par rapport aux problématiques, des recommandations qui seront notamment orientées vers les autorités, vers les décideurs et vers toutes les personnes qui interviennent dans ce secteur d'activité. Donc, organiser ce webinaire, je le répète, c'est primordial pour notre économie, pour notre Gabon, mais aussi pas seulement pour le Gabon, parce qu'il y a des thèmes qui sont à l'international aussi. Il y a des thèmes qui sont en rapport avec l'UEMOA, il y a des thèmes qui sont en rapport avec des pays de l'Europe, de l'Amérique, notamment. Donc le webinaire, l'avantage que les personnes auront, c'est que le webinaire, il est en ligne. Donc aujourd'hui, si tu as manqué l'intervention de Andy Sven, par exemple, tu pourras le re-suivre sur la chaîne Gabon Logistique. Prends tes notes, tirer des enseignements et voir comment il faut aller de l'avant. Donc, voici ce que moi je peux dire pour ce webinaire qui n'est surtout à ne pas manquer avec des thèmes aussi enrichissants, des thèmes d'actualité. Donc là, nous avons des problématiques et nous aurons des solutions qui sont directement adaptées à ces problématiques-là. Donc, les chefs d'entreprise, les décideurs, tout le monde est convié, tout le monde trouvera son compte dans cet événement. Merci à Mitch Kroukenjova, monsieur à Julie Sagaès, un mot Juste, pour la voilà, fin, juste, voilà, avec juste, la même juste, question. voilà, juste, juste, voilà, Un pour mot de fin ajouter avec la même question. avec la même question exactement. Je m'excuse d'abord. Donc, c'est pour dire pourquoi soutenir cet événement? C'est pour participer à un événement unique de la logistique et des transports du Gabon. C'est aussi, pourquoi pas, de saisir des opportunités, n'est-ce pas, d'emploi, de stage, des opportunités d'affaires aussi, pourquoi pas, parce que ça permet de connecter un certain nombre de personnes. Mais c'est aussi pour vous, en tant qu'annonceur, vous qui avez des annonces peut-être à faire au cours de cet événement, de saisir cette opportunité pour faire valoir vos produits et services. Vous pouvez contacter les organisateurs afin de mettre en avant, n'est-ce pas, vos innovations, n'est-ce pas, et les faire connaître, d'avoir une visibilité par rapport à tout ça. Donc, il y a matière. C'est aussi de profiter, n'est-ce pas, d'une visibilité exceptionnelle auprès de votre cœur de métier. C'est de renforcer aussi votre notoriété, de rencontrer, pourquoi pas, vos futurs clients et partenaires dans un seul et même endroit. Et c'est de découvrir aussi les process innovants. C'est donc de bénéficier d'une large couverture médiatique en amont, ce que nous sommes en train de faire pendant et après l'événement. Donc, c'est de participer enfin à des moments forts d'échange et de networking. Le mot de fin, c'est de remercier toutes les personnes de près ou de loin qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure, qui nous font des contributions, qui nous font des critiques aussi, qui nous font des remarques, qui nous disent la vérité en face, qui nous disent ça, c'est pas bon, faites comme ça, améliorez comme ça. Nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas des érudits. Nous ne sommes pas des puits de science. Notre démarche, c'est une démarche collaborative. Nous voulons travailler avec des juristes en droit des affaires, en droit maritime, en droit, etc., etc. Nous voulons travailler avec des qualiticiens qui ont des certifications ISO et bien d'autres ou pas. Nous voulons travailler avec des spécialistes en marketing et communication parce que la logistique et les transports aussi, il faut savoir aussi communiquer, il faut savoir aussi vendre un produit, à vous faire un peu de marketing. Nous voulons travailler aussi, n'est-ce pas, avec ceux qui sont dans le domaine, n'est-ce pas, de l'environnement. Parce que il y a la logistique reverse, la logistique propre,
qui permet en tout cas de pouvoir faire du recyclage. Et d'ailleurs, il y a un thème là-dessus. Nous voulons travailler en tout cas avec tous ces corps de métier, n'est-ce pas? Les ressources humaines et bien d'autres. Parce que nous sommes dans une fonction transversale qui touche à l'ensemble des activités économiques. Que vous soyez juriste, économiste et bien d'autres, cet événement vous concerne et nous vous invitons. Donc, merci à tous les partenaires qui nous soutiennent. Julius Agayas, Monsieur Julius Agayas, Monsieur Mitch Rokenjova, avant de vous laisser partir, on va prendre une toute dernière question qui vient de nous venir sur notre page Facebook. Juste une toute dernière question. Donc là, la question vient de Dani Zedial. Il ou elle demande, dit, on nous enseigne tout, mais je constate qu'on ne nous dit rien de concret quant aux différents débouchés de la formation. Mis à part ce qu'on sait, ce qui est souvent en avant-plan. Après le webinaire, je propose d'organiser un autre rendez-vous pour discuter des débouchés, l'ensemble des métiers de la logistique. Je ne sais pas si vous avez saisi la question, je vais la relire. On nous enseigne tout, mais je constate qu'on ne nous dit rien de concret quant aux différents débouchés de la formation. Mis à part ce qu'on sait, ce qui est souvent en avant-plan. Après le webinaire, je propose d'organiser un rendez-vous pour discuter des débouchés de l'ensemble des métiers de la logistique. Un mot à dire par rapport à ça? Bon, nous moi, sommes ce que... ouverts et on se fera le plaisir de le contacter en off et puis d'échanger. Voilà, nous sommes ouverts à travailler ensemble. Vas-y, Mitch Voilà. Roca. Voilà pour tout ce qui est des débouchés. Elle a parlé, si j'ai bien compris la question, elle a parlé des débouchés au niveau de la logistique et des transports. Nous avons un thème de Madame Tatiana Priska qui va traiter les RH au cœur de la logistique. Donc, je pense que ce thème, si je n'ai pas retenu le prénom de la dame qui a posé la question, je pense C'est qu'il faut. Voilà. Daniel Zédial, voilà, Daniel Zédial. Voilà, Daniel Zedial. Donc, il faut noter ce thème et la date. Pour nous, pour ne pas spolier les thèmes qui vont être partagés durant ce webinaire, nous vous invitons déjà à venir regarder ce thème qui va beaucoup répondre à la question qui a été posée, notamment les débouchés dans le secteur de la logistique et les opportunités. Donc, voilà une occasion à ne pas manquer pour pouvoir avoir des réponses à cette question. Mais par rapport à la question de Dany Zédial, moi je vais tout simplement redire encore Madame Tatiana Priska Mengetutum débattra, elle est la directrice des ressources humaines à Précho Gabon, elle débattra aussi sur ça, sur la formation et l'emploi. Donc, quel débouché aux sorties des formations au métier de la logistique et des transports au Gabon? Date? Elle passera le 5 décembre 2020 à 10h pile. Donc, monsieur ou madame, parce que je ne sais pas, voilà. Dani Zédial, je t'invite à marquer cette date sur ton calendrier. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre live, donc sur les webinaires de la logistique et des transports au Gabon qui se tiendront du 30 novembre 2020 au 14 décembre 2020. Juste pour rappeler, pour ceux qui nous ont pris en cours, vous êtes bien sûr Gabon Logistique, votre premier portail web de l'actualité et de la logistique et des transports au Gabon. Et surtout, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Gabon Logistique est le premier portail web spécialisé visant à faciliter la recherche d'informations d'aide à la décision dans la logistique et les transports pour tous les opérateurs économiques. Gabon Logistique est l'excellent vecteur de communication efficace et réactif, spécialisé du secteur qui vous accompagne dans vos campagnes de communication, de recherche, de visibilité et de référencement sur le web. Notre mission est de vous fournir des informations fiables d'aide à la décision dans le secteur de la logistique et des transports au Gabon. Nous sommes arrivés à la fin de ce live, donc je voudrais tout simplement remercier Julius Agayas et Monsieur Okenjova. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. 30 décembre, je vous donne une fois de plus l'heure du premier webinaire le 30 décembre. Ce sera avec Monsieur Silver Boussamba, fondateur de l'école 241. Il débattra sur le numérique
enjeux de la transformation digitale dans le secteur de la logistique et des transports au Gabon. Ce sera le 30 novembre à 11h pile. Et nous aurons aussi au cours de cette même journée M. Chanel Kassa, il est consultant international, qui débattra sur l'importance de la communication dans la chaîne logistique. Comment coupler les compétences techniques et relationnelles dans la supply chain. Il passera à 16h pile, toujours pour le 30 novembre 2014. Je vous dis merci et on se retrouve le 30 novembre 2014. Pour cela, en guise de fin, on va remettre notre vidéo tout simplement pour remercier nos partenaires qui ont bien été nous soutenir. Au revoir tout le monde. Et oui, surtout, bon début de semaine. Samba, wa don't go bembe.